Vendredi 1er novembre, une aiguille dans une botte d'infos. Première information, club de The Independent sur les fuites d'informations de Trump et les doutes sur sa nouvelle équipe inquiètent les alliés de l'OTAN, selon des experts. Ryan Lubin s'entretient avec des experts du renseignement de la sécurité nationale de l'Australie, du Canada sur les implications d'un second mandat de Donald Trump. Deuxième information dans Politico. Le Vatican et Israël impliqués dans un scandale de piratage informatique en Italie, selon des fuites de fichiers. Les écoutes téléphoniques de la police montrent le caractère mondial et tentaculaire d'une enquête sur les détectives privés basés à Milan et leurs clients. Une énorme affaire dont on va beaucoup entendre parler. Information numéro 3. Sergueï Lavrov se rendra à Malte le mois prochain, selon les médias russes. Le ministre russe des Affaires étrangères devrait se rendre à Malte pour une réunion de l'OSCE en décembre. Info numéro 4. Trump parle comme Hitler, Staline et Mussolini. Vermine, parasite, ennemi de l'intérieur. En cette fin de campagne américaine, les mots du candidat républicain font de plus en plus écho à ceux des régimes totalitaires, observe The Atlantic.